Alors, drapeau vert en fond de grille, vous voyez, pour dire que tout est en place et qu'on peut donc laisser les pilotes. Et là, prêt au départ, et 5 secondes, et le feu à gauche va s'éteindre, le jingle, et ça va partir. Le très, très bon départ de celui qui avait choisi. Oh, mais attention à l'intérieur, là-bas, ça repasse, je crois, pour Julien Febraud. Attention de ne pas prendre le vibreur là, parce qu'il fait un mètre de haut. Allez, Julien Febraud, hein, qui est un pilote de rallycross et qui connaît parfaitement bien la bagarre en peloton, il a fait un super départ et partant sur la première ligne. Et à l'intérieur du virage, il a réussi à gratter la première place. Ah, il a fait alors. Il y a deux solutions. C'est soit il est vraiment très très bien parti, ou soit. J'ai l'impression que c'est un peu raté. Parce que normalement, ça devait un petit peu moins bien partir sur la partie pareille. Et en tout cas, pour l'instant, il est bien en tête, Julien Febraud. Il pourrait offrir pour son retour ici dans cette catégorie élite, dans cette finale. Pourquoi pas, en tout cas, il est bien parti pour donner le rythme. Attention ici, les ornières, à ne pas avoir des pressions trop basses pour ne pas déjanter. Attention à ne pas tomber dans les trous. C'est lui, pour l'instant, qui est le leader. Et surtout, c'est lui qui a la meilleure visibilité. Exact. La petite seconde, peut-être, d'écart habituel. Eh bien, voilà, la petite seconde habituelle lors du premier tour. Donc, Julien Febraud en tête, Nathan Biel à 1 seconde. Laurent Millard à 1 seconde 7, vous le voyez. Ensuite, Emmanuel Moinel, Stéphane Vantaja et Laurent Naël. Et c'est vrai que Julien Febraud est en train de creuser un petit peu l'écart. Aidé par sa bonne visibilité sur le circuit, comme nous le faisait remarquer il y a quelques instants Franck Lagorce. Et c'est vrai que pour Nathan Biel derrière, c'est un petit peu plus compliqué, d'autant plus qu'il doit surveiller également ses rétroviseurs, même si là, Laurent Millard a perdu un tout petit peu de temps. Un tout petit peu de temps, mais bon, en tout cas, Laurent, ça lui permet aussi d'avoir des repères aussi sur les autres pilotes. Et puis bien sûr, deux voitures de la même équipe, hein, celle d'Yvan Muller, donc le Muller Racing. Et là, c'est vrai qu'il n'y aura pas de... Vous voyez, cette ornière ici à la sortie, elle est terrible. Et voilà. Et voilà, ça peut vous mettre Emmanuel Monnet qui va perdre place. Allez, marche arrière, on va ressortir. On va repartir assez loin. Donc, ah, les ornières, c'est terrible. Ça, ah oui, c'est vous ne savez pas où vous habitez. C'est surtout quand vous n'avez pas la visibilité. Il était derrière, on l'a dit tout à l'heure. Ouais. Quand vous êtes derrière, vous n'avez pas forcément la bonne visibilité pour savoir où elle se place. Et il s'est fait surprendre. Alors, attendons, Julien Febraud se dit dans lui-même, dans son cas, s'accélère pour garder la tête de cette finale de classement de la catégorie élite. Et pour l'instant, Nathan Biel se rapproche pas. Il reste pratiquement, il y a 1 seconde toujours d'écart entre la voiture de tête, vous voyez, la Zoé de Julien Febraud, et devant la DuPC de Nathan Biel. Les écarts ne changent pas, il y a 1 seconde. Alors que je crois qu'on va faire signe aux pilotes lorsqu'ils vont passer devant nous ici, qu'ils vont entrer dans leur dernier tour. Voilà, c'est cela. On leur fait signe, donc dernier tour déjà pour nos pilotes. Et le petit point pour l'instant du record du tour, ça peut être important. Il est à l'instant même, il était pour Julien Febraud. Et Nathan Biel qui vient de récupérer le record du tour avec 47-2. Oui, Nathan, il a vraiment braqué un petit peu tout. Il était obligé de débraquer, sinon il allait partir sur le mur. En tout cas, eh bien, c'est très très important d'avoir ce point. C'est pas le plus important forcément à ce niveau-là de gagner la finale, mais d'avoir vraiment ce petit point supplémentaire, ça peut compter à la fin de la saison. Oui, c'est une contre-performance pour Nathan Biel, parce qu'en arrivant ici, il était 3e au classement provisoire de la catégorie élite, donc c'est une contre-performance pour lui. Donc tous les points qu'il va pouvoir prendre sont importants. Et là, dans le dernier tour, il s'est rapproché quand même de Julien Febraud. Attention, nous sommes dans le dernier virage, la ligne d'arrivée. Et normalement, Julien Febraud va remporter cette finale de classement. Voilà qui est fait. Premier, Julien Febraud. Deuxième, Nathan Biel à 7-10e, vous voyez, qui s'était rapproché. Ensuite, on devrait voir la voiture aux couleurs d'Andros de Laurent Millara. Le retour de Stéphane Vantaja pour prendre une très belle 4e place. Le voilà, Stéphane Vantaja. Ensuite, on va voir Laurent Naël. On va avoir Margot Laffitte. Et j'ai l'impression que, malheureusement pour lui, à cause de cette petite faute qui lui a coûté très cher, eh bien Emmanuel Moinel continue de pas briller et il termine dernier de cette finale de la catégorie élite.